Ce jour-là, Ouain n'en a pas cru ses yeux. Il a été transporté chez Astérix au pays des Festaires. L'adolescent, malade, a vécu la foulée épique des fêtes de Bayonne grâce aux soignants bénévoles de l'association Aouréri. Cette parenthèse festive, dans un quotidien lourd, les parents de Ouain en parlent encore des semaines plus tard avec le président de l'association. Ça a été un moment magnifique, plein d'émotions, plein de rires. Un moment inoubliable parce qu'on n'aurait jamais pensé participer à ce type d'événement et lui encore moins en étant un enfant malade. C'est plein de petits moments qui redonnent le moral, qui redonnent envie de se battre, d'avancer. L'association a été créée en 2011 par une soignante en pédiatrie de l'hôpital de Bayonne et Christophe Dopès, qui enfile le costume de Potioka, la super mascotte de l'aviron bayonnais, pour distraire les petits malades. Je me suis engagé parce que je pense que j'ai un petit don, voilà, avec un personnage où j'arrive à donner du bonheur, de la joie. Chouchou patate. Si je suis là aussi, c'est que je suis accompagné avec une équipe soignante, avec des pédiatres, des cadres, l'hôpital de Bayonne et des soignants. Et là, on a une association de 24 bénévoles qui est extraordinaire. Vous êtes obligé de passer comme moi. Ok. Comme toi. Et quand Potioka débarque à l'hôpital de Bayonne dans les chambres en pédiatrie, c'est tout un show. Salut poulet ! Salut poulet ! Pour faire une visite surprise à Yon, fraîchement opéré, il est accompagné de Peyo Muscarditz et Baptiste Egui, rugbyman bayonnais. Est-ce que t'es chaud pour une partie de Uno ? Ah ouais. Bon, le hour, on a gagné. Fais gaffe, toi. Tu le surveilles ? Je range un peu mes cartes. Oui. Ah bon ? Le perdant engage. Uno. 2, 3, 3. Uno. Aïe. C'est pour passer du bon temps avec Yon et ensemble avec Potioka aussi. Et égayer un peu notre après-midi aussi. Puis voilà. Passer un moment sympa, quoi. Tiens, ça, c'est pour toi. Petit cadeau. Oh là là. Oh là là. Je sais pas comment dire, je m'attendais vraiment pas à ce que. Parce que déjà Potioka passe et que. Les joueurs aussi, donc voilà. Que d'émotion. C'est ça, ouais. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Après, il fallait pas trop que je rigole, parce que sinon ça me fait mal, mais... C'est vraiment, en tout cas, il faut... Des pitres de Bayonne. Alors, le pitre, c'est moi, ok. Je pense que c'est une bonne chose d'accompagner ces jeunes dans... Quand ils ont des petits soucis de santé ou quand ils sont à l'hôpital, c'est jamais marrant. Et si on peut apporter un peu de joie, c'est que du bonheur. Ces surprises, l'association les cible en fonction des passions des enfants malades. Elle essaye de réaliser leurs rêves, petits ou grands. Les soignants, ils font des petites fiches. Et chaque fiche, on sait exactement ce que l'enfant aime. Et voilà. Et tout le temps où l'enfant vient à l'hôpital, eh bien, on prend des petites notes. Et à ce moment-là, l'intouchable, ça sera le petit nom qui sera sur le papier. Et à nous de jouer, voilà. Et si c'est Kylian Mbappé, même pas peur. Après avoir organisé une rencontre avec les rappeurs Big Flo et Oli, l'association lance d'ailleurs un appel au chanteur Soprano. Yo! Salut Sopra! C'est Christophe de l'association Aouréri, à l'hôpital de Bayonne. Tu sais quoi? On veut te voir en backstage. On t'aime Sopra! L'association apporte aussi une aide matérielle aux soignants, comme Marie-Pierre Armandaris. Elle peut ainsi équiper la salle de jeu. On accueille des enfants de 0 à 15 ans, donc du coup les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes en fonction des âges. Et donc moi, en tant qu'éducatrice jeunes enfants, je peux acheter du matériel adapté à chaque âge. En plus du matériel, Aouréri me permet de mettre en place un projet culturel. Grâce aux dons, l'association a également financé des salles de repos pour les parents de bébés prématurés. La présence des parents est vraiment nécessaire et primordiale pour le bon développement des bébés. Et c'est pour ça que ça nous tenait à cœur de créer cette salle pour que les parents puissent se ressourcer ici, prendre leur déjeuner et passer la journée auprès de leurs petits. Allez Yona ! Dans le service où des enfants sont hospitalisés pour des pathologies graves, Aouréri apporte aussi du réconfort. Dès qu'on arrive dans la chambre, par exemple, on est dans un état où on est vraiment mal.
Et puis la petite, vous savez, on reste toute la journée, on ne sait pas combien de temps on reste là. Eux, ils arrivent avec toujours le sourire. Ils nous changent vraiment les idées, en fait. Allez, maman va te tenir le masque. Et pour soutenir les enfants pendant les soins, l'association a offert des tablettes de jeu. C'était ça ? Voyons, Yona, tu vas serrer un petit peu le poing, regarde. Serre le poing comme ça, fort. Allez, respire fort, Yona. Bou, mais c'est quoi cette championne ? Au quotidien, ils ont permis pour les soins, notamment en hôpital de jour, on a des patients chroniques qui reviennent très régulièrement pour des soins invasifs ou douloureux. Grâce aux tablettes, par exemple, de faire de la distraction, ce qui marche extrêmement bien, évidemment, avec les enfants. Donc c'est sûr que pour nous, ça améliore notre confort de travail et pour eux, c'est une super bouffée d'oxygène. Aureri accompagne actuellement 25 familles d'enfants hospitalisées dans ce service. Merci beaucoup. Adieu. Johanna Tafernaberi a été gravement malade pendant son adolescence. Longtemps hospitalisée, elle a été très entourée par les bénévoles soignants de l'association. Ça a été surtout un soutien moral pour moi, mais aussi pour ma famille. Parce que ils étaient là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Et c'est là le plus important. Et du coup, ils ont soutenu ma famille. Et du coup, en fait, ce qui était mon combat au départ a été le combat de tout le monde. Désormais, Johanna est combative sur les terrains de basket-fauteuil. Mais elle reste attachée à l'association. Maintenant, je suis guérie, moi je suis rétablie, j'ai de la chance. Et en fait, on a toujours gardé des liens. Là maintenant, c'est une seconde famille. Et encore, les liens sont restés, les liens sont très très forts entre nous. Depuis sa création, Aureri a permis à au moins une centaine d'enfants comme Johanna de vivre des parenthèses joyeuses, malgré l'épreuve de la maladie.